Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un déballage. Donc après le déballage de l'Xbox One, donc je vous déballe un kit Play and Charge. Donc c'est ce qui permet de recharger la batterie de votre manette tout en l'utilisant. Donc voilà. Donc ce kit Play and Charge, donc c'est l'officiel, hein, c'est celui de Microsoft pour l'Xbox One. Donc il coûte 25 euros. Je l'ai acheté chez Micromania au prix de 23 euros. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du packaging? Bon, pour l'instant, bah, c'est tout en verre, comme la plupart des produits Xbox One. Voilà, donc c'est ce qui fait un peu l'originalité, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous avez une petite languette à enlever en deux en bas. Donc, vous l'ouvrez. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, on a, comme prévu, la batterie donc qui se met derrière la manette Xbox One. Donc je vous la montrerai ça après. Voilà, avec le petit logo Xbox. Ensuite, on a donc on va l'enlever déjà. C'est pas très pratique. Donc on a voilà. Donc on a un câble, donc le câble de chargement que l'on branche donc à la manette via ce petit port, et le port USB qui se trouve de l'autre côté avec un témoin de charge avec une petite lumière, non, qui se trouve plutôt du côté là. Voilà. Ensuite, on a bon le manuel, hein, le manuel d'utilisation. Et voilà, donc quelques petits peu de paperasse. Donc c'est tout pour le déballage. On va donc, maintenant qu'on a déballé donc le kit, donc à placer la batterie à l'arrière de la manette. Pour cela, donc vous retournez votre manette, vous enlevez le câble, vous prenez la batterie que livrée avec le kit, vous la placez comme ceci, donc avec le connecteur. Dans le petit A tout à gauche, et avec le logo Xbox et donc l'écriture à l'endroit. Donc vous placez ça et vous appuyez, une simple pression suffira. Voilà, donc votre batterie est en place. Donc on va refermer tout de suite avec le cache. Donc pour fermer avec le cache, vous le mettez déjà dedans, hop, et vous appuyez. Voilà. Donc maintenant, on va prendre le câble. Donc le câble, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez le port USB et le port donc qui se connecte à la manette, avec, comme dit tout à l'heure aussi, le voyant lumineux qui se trouve ici et qui varie donc en fonction donc de la charge de la batterie. Si votre batterie est chargée, celui-ci sera blanc. Si votre batterie n'est pas chargée, il sera orange ou rouge. Donc, vous prenez votre batterie. Donc, celui-ci se place à l'avant de la manette. Vous prenez votre manette, pardon. Voilà. Vous prenez votre câble et vous le glissez à l'intérieur. Voilà. Et bien sûr, vous mettez donc le port, le câble USB. Vous le branchez au port qui se situe à l'avant de l'Xbox One. Voilà. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez un problème, une question particulière sur le produit, n'hésitez pas. Donc je ferai de mon mieux pour vous répondre et donc pour vous satisfaire. Voilà. Donc bon bah si la vidéo vous a plu, hein, toujours un petit pouce bleu. Et donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager mes vidéos avec vos amis. Donc pour ceux par exemple, ceux qui ont Xbox One, n'hésitez pas à leur montrer mes vidéos. Voilà, allez, ciao ciao, à la prochaine.